and I'm a fighter. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be for your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love, I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy, I just really wanna move on. Things gonna be alright. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, ma mère. L'épisode 3 de votre série sur les tubes de l'été 2018 cap donc sur la France. J'aurais pu vous parler, Mohamed, de, bien entendu, de David Guetta, de Maître Gims, hein, qui cartonne à l'international tout l'été, mais je vous ai choisi trois chanteuses qui signent elles aussi les tubes de cet été 2018 en France. Et avec Jane, bien entendu, pour commencer, on l'a reconnue, l'une des très belles surprises de la scène française avec cette chanson All Right. Vous en souvenez, hein, Mohamed, elle avait déjà bien cartonné dans le passé, Jane. Et cette fois-ci, elle nous livre de nouveau un titre dansant où l'on retrouve les sonorités pop et les influences africaines de ses précédents titres. Donc voilà pour le carton en France de cet été. Et on parlait, Nicolas, du bronzage avec notre invité il y a quelques instants, Pascal Horry. La marinière serait l'accessoire, nous dites-vous, indispensable de l'été ? Eh ben oui, je pense que c'est effectivement l'accessoire de cet été. C'est surtout la chanson également de l'été, si l'on en croit le succès de la nouvelle étoile de la chanson française qui s'appelle Oshi avec son titre Ta marinière, justement, c'est pour ça que l'on en parle. Un titre ultra efficace qui se classe dans les premières places des ventes en France, en Belgique et au Canada, rien que ça. Et imaginez 13 millions de vues sur YouTube en quelques semaines à peine. On écoute. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril. La mer à boire, ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche ta portée d'union. Tu l'as jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Allez, on termine avec mon ovni musical de l'été, Mohamed. Je suis sûr que vous allez adorer parce que je connais votre côté un petit peu disco. le disco qui, justement, fait son retour en force avec la chanteuse Corinne. Boucle peroxydée, maillot collant et lunettes rondes colorées. Voilà l'univers de cette chanteuse complètement déjantée. Elle va nous faire danser sur le sable brûlant, hein, avec son titre qui s'appelle « Il fait chaud, cette circonstance ». Une chanson qui sent l'écran total et les étoiles de mer. Bref, c'est une vraie cure de vitamine D. Maillot, une pièce à paillettes, parasol jaune en étendard. Je mate les filles, je mate les mecs. Il y en a un qui pique un phare. Je trempe un doigt, je trempe un pied. Les vagues lentement caressent la fine peau de mes poignets, abîmée par la sécheresse. Il fait chaud. Voilà, il fait chaud à la Cano, vitamine D, soleil, bord de mer. Nicolas, décidément, après ce grand angle, on est vraiment dans le... en pleine vacances. Bah, en tout cas, je vous ai vu danser, Mohamed. Je pense que là, vous vous êtes fait votre petite sélection musicale de l'été. Hein. Et j'ai une marinière, hein.
Vous m'avez déjà vu avec. Hein, bah oui, je vous ai déjà vu avec. Hein. Sur les réseaux sociaux, c'est ça, les dossiers. Voilà qui va nous faire danser en tout cas tout l'été, Nicolas. Demain, pour terminer cette série sur les tubes estivaux 2018, vous nous emmènerez en Afrique francophone et notamment en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Avec une belle surprise, je tiens à vous l'annoncer, une reprise de la part, une reprise reggae. Allez, je vous en dis pas plus, on verra sur le Congo. Allez, on verra demain. Mais pour l'heure, en tout cas, Nicolas, on va s'envoler pour l'ouest des États-Unis. Dites-nous tout. Et la mythique route 66, bien entendu, croquée en noir et blanc, cette route 66, par le dessinateur suisse Thomas Ott. Il a souhaité capter, en fait, les différentes facettes de la légendaire route reliant Chicago à Los Angeles avec une technique assez particulière. Vous allez le voir dans un instant. Cela donne un récit de voyage tout en images. Un récit de voyage qui est décliné également lors d'une expo à Paris. La rencontre de Thomas Ott est signée Bertrand Lout. Thomas Ott prend l'air et passe à l'ouest. Le dessinateur suisse, adepte depuis 30 ans de la carte à gratter, ce support ténébreux qui lui permet d'exorciser angoisse et idées noires, s'est offert un road trip sur la fameuse Route 66. Le résultat est un livre du même nom, couplé à une exposition, le tout baigné d'une lumière inhabituelle. Ce projet est assez différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je voulais vraiment faire un livre de voyage, c'est-à-dire je raconte ce que je vois en ce moment. Je suis vraiment parti des photographies que j'ai faites parce que je n'avais pas vraiment le temps de m'asseoir sur un coin et dessiner pendant une heure, faire un croquis. J'avais 4000 photos sur mon ordinateur. J'ai recadré, j'ai rajouté des personnages, j'ai fait quasiment un collage entre deux photos. J'ai pris un objet, j'ai monté dans le dessin, par exemple la route avec un objet devant pour faire un peu de profondeur. Comme pour ces BD narratives, aucun texte ne vient supporter Route 66. Chez Thomas Ott, le silence de mort est dehors. Et le cinéma, le film noir des années 40 ou 50 en particulier, règne en maître des inspirations. Sans mots, c'est hyper important de pouvoir raconter une histoire qui se suit juste au niveau des images. Donc il faut vraiment un montage, il faut toute une dramaturgie qui fonctionne par des mouvements. Donc si j'imagine une histoire, c'est toujours comme si je voyais un film. Si on lit un bouquin, on imagine des images. Et moi, je fais des images et je veux qu'on imagine le reste. Voilà, étonnant en tout cas ce travail de Thomas Ott, le dessinateur suisse. Vous pouvez suivre l'expo Route 66 à la Galerie Martel à Paris. C'est jusqu'au 15 septembre et il y a donc un livre qui a été tiré de son travail qui s'appelle Louis Vuitton Travel Book Route 66 pour être complet. Route 66, c'était demandé le programme. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique. Et je...